un petit dénivelé du soir. Ouais, ça c'est peut-être bien l'orage qu'on a sur les talons. Belle zone de bivouac. On va chercher quelque chose de plus discret. Joli petit coucher de soleil, vu sur Montfermeil, le pont ferroviaire. Admiré par une paire de mules. La faible lumière, il n'y a plus grand chose. Tournaveau. On s'était promis d'y revenir. Enfin, je m'étais promis d'y revenir. Par beau temps. Voilà. Mais bon, allez. On a un petit snack bar, c'est pas mal. Petite pause au sec. On aurait presque là maintenant. Un retour de beau temps. On va en profiter. Relancer. C'est un ragondin. À hauteur des hautes rivières. Et on poursuit. Un bon petit chemin forestier. Selon toute vraisemblance, ceci est une frontière. La descente sous la pluie. Montée depuis Bourg. Là on va. Ici. Un bon petit 200 mètres de dénivelé. Pour remonter sur le plateau. Voilà, là en bas. Petit village de Mandre. On va y redescendre. Et on poursuit sur cette rive sud de la Somme. Par la forêt.
d'animation. Si tu veux, il y a un jeu très drôle. Ça s'appelle Bien que la partie en flamand. Denn wir sind das Menschen recht, das Kast der Schriften, das Menschen und Menschen. Abgelegen, d'encore wegen. Men wind sie hin, erstrecken, wenn Baroni. C'est bon? Bivouac, juste installé. C'est là que. Il pleut. 20h15, 10 heures de marche. Ici, hein. Bon, faut pas laisser tomber cette petite cuillère. Direction maestro. Là, sous la pluie. Toute cette balade n'est qu'une histoire de pause en bord de rivière. Ouais, sac léger mais ventre lourd. Hein. Hop. Parfait petit terrain. D'anticipation. Pyrénéenne. Dans l'eau. De sanglier, j'ai même pas, j'ose même pas m'approcher vraiment, tellement il y a de, traces d'animaux que la bête soit pas là au fond et sorte en courant. Et ici, il y a une trace et des troncs qui ont été sciés à la tronçonneuse, donc on est venu dégager. Ça doit vouloir dire que c'est par là. Voilà, a priori. Et puis ensuite, c'est par là. A priori.
ici. Bon, j'ai un bon abri sur roche. Je ne sais pas si on peut dormir là, au bord du chemin et du ruisseau, avec tous les moustiques. On poursuit. Perdu sur une frontière, refoulé des deux côtés. Que va-t-il devenir ? Arrivé à la maison forestière, près de laquelle le repérage cartographique nous laisse espérer de trouver de quoi planter les abris. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les parages ? Il y a de l'herbe, a priori plate ici. Un panneau d'information. De quoi s'abriter pour la pluie, un four, je crois qu'on va être heureux. Adopté ? Oui. Vendu. Café au sec, j'ai pas envie de le faire sur la table mouillée, mais on peut plus. On a une quinzaine de kilomètres à faire d'ici 15 heures. On est au large. 7h20, on reprend. Ouais. Donc, image spécialement dédiée à Eric Le Rouge. Il se reconnaîtra. Ah ouais, effectivement, le dernier jour de balade, le sac est léger. On sent les 3 kilos de base. Il n'y a que le dernier jour de marche qui compte. C'est le seul... Véloroute, au fond, c'est une route. Et on fait passer le GR dessus. Youpi. On va passer devant. Non, on quitte à nouveau la semoie. Et on retourne en altitude. Ça remplace tout, ça remplace le vignemale, ça remplace les aiguilles dans sa berre,
un étau. Mètres, vous vous rendez compte? La Netto, il a même pas 3000 mètres de plus. Petit joueur, pour arriver au front de la tour, 408 mètres. Logiquement, c'est le plus haut du circuit. Ça va peut-être plus par là. Pas bien? Ah, suite de la vue. C'est une carrière boulose. Ouais, là, c'est fermé, je pense que c'était. Allez, on continue sur le chemin, on est sur le final, on va aller prendre la vue sur les crêtes. Et après, on descend dans Monternay pour le final. La roche à 7h. Au-dessus de Monternay. Laisse-moi rejoindre la Meuse qu'on voit là. Et là au bout, au milieu, le pont, la gare. Il va falloir rejoindre. Alors, monsieur, votre impression? Allez, on finit la balade. On va aller voir ce qu'on peut, de quoi on peut aller se nourrir dans Monternay. On vous présente les oies du déjeuner. Trop près, elle te souffle. Hein. Déjeuner normalement, on devrait le faire là en face.